Ok, je peux le faire. Donc, grâce à vous, on a la preuve que l'autorité commerciale est derrière la baisse de puissance signalée ici-bas. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à l'autorité commerciale, mais Zoé est intimidante. Je dois aller là-bas, mais j'en ai vraiment, vraiment pas envie. Ça vous embêterait de venir avec moi, juste pour s'assurer que ça ne tourne pas au vinaigre. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Je peux mener la discussion. Enfin, je crois. Mais préparez-vous à tout, au cas où. Sympa la combinaison. Une visite. Même dans le puits, l'autorité commerciale prospère. Vous trouvez pas ça scandaleux? Tous les petits drones travailleurs. Je suis Louisa Reyes, et vous le savez très bien parce que c'est la troisième fois que je viens. Oui, oui, évidemment. Et de quoi m'accusiez-vous donc sans aucune preuve? La baisse de puissance est due à votre bâtiment, Zoé. Tout vient d'ici. Vous et moi le savons, et maintenant je peux le prouver. Je vous demande pardon? Nous avons remonté la piste, vérifié la grille. Elle nous a menés ici. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je vais vous demander de patienter un instant. Je reviens tout de suite. Ok, préparez-vous. Je sais pas du tout si elle va dégainer une arme, appeler des mercenaires ou je ne sais quoi d'autre. Ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, on saura gérer la situation. Je préférerais qu'on évite la violence si possible, d'accord ? Oui, vous avez sûrement raison. Respire, Louisa. Eh bien, Madame Reyes, je m'excuse de ne pas avoir pris cette affaire plus au sérieux. Je vous assure que je ferai tout pour tirer cette affaire au clair. Non, vous ne vous en tirerez pas comme ça aujourd'hui. Nous avons déjà tiré cette affaire au clair. Vous êtes responsable. J'apprécie votre enthousiasme professionnel, mais à votre place, je ferai quelques recherches supplémentaires avant de calomnier mon prochain. Quelqu'un utilise en effet cet endroit pour rediriger la puissance électrique des environs, mais ce n'est pas l'autorité commerciale. J'ai des soupçons depuis un bout de temps, et j'ai pris des notes détaillées que je partagerai volontiers avec vous, mais pour l'heure, quelle est la suite du plan ? Je... Attendez, quoi ? Ah, pour l'amour de... Je présume que vous aidez Madame Reyes à résoudre ce petit problème? Eh bien, vous avez encore clairement du pain sur la planche. Pourquoi ne pas continuer votre petite enquête, avec la certitude que l'autorité commerciale vous offrira une compensation pour vos efforts? Je vais coordonner les choses avec Madame Reyes. Grâce à l'accès au réseau dont dispose le TAMS, on saura vite qui est responsable, et pourquoi. Ce doit être vous qui vous occupez du travail sur le terrain, alors. Vous trouverez probablement une autre boîte de raccordement dans le puits ayant besoin de votre attention. Eh ben... Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Pour le moment, partons du principe que tout ça est vrai. Je vais m'occuper des détails avec Zoé, et vous pouvez aller inspecter la prochaine boîte de raccordement. Monsieur.
vers la boîte 45A. Elle devrait se trouver près d'Apex Electronics. Vous plaisantez, j'espère. Vous regardez le même diagramme que moi? Le point suivant est évidemment la boîte 47B. Elle est au même niveau. Bien joué. Merci d'avoir écouté la voix de la raison. La boîte de raccordement doit pas être loin. Madame Reyes et moi avons remarqué toutes les deux que le prochain point de la ligne ne se trouve sur aucun diagramme. Elle veut dire qu'il n'est pas dans le puits. Il doit être quelque part à la surface. Ce qui signifie techniquement qu'il n'est pas de ma responsabilité. Le problème sera réglé en un rien de temps. Cependant... Zoé, je sais lire, merci. Ignorez-la et trouvez la boîte 45A, d'accord? Cependant, nous aimerions toutes les deux poursuivre cette opération. Montez à la surface. Je vais sortir les diagrammes dont nous avons besoin. Madame Reyes est encore en train de récupérer les diagrammes et plans nécessaires à l'évaluation de la situation. Avant qu'elle revienne, j'aimerais vous faire une offre. Peu importe ce que vous trouverez au bout du chemin, vous me le rapportez en premier. Je m'assurerai que le TAMS obtienne ce dont il a besoin. Mais les informations sont en fonds de commerce et je... C'était du beau travail.
certains se moquent, ils disent que ces zélotes de Varro vénèrent un serpent. Bien, vous avez remonté toute la source. Vous avez trouvé quelque chose? Super, je vais rapporter ça au Tams pour analyse. Je suis pas bête, je sais que Zoé vous a probablement fait une offre. Mais j'apprécie que vous l'ayez refusée. Et je suis vraiment contente qu'on ait pu travailler ensemble sur cette affaire. Bon. On dirait bien que quelqu'un a cru pouvoir pénétrer dans...